Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 12.11 de Hating, l'épisode de Hating qui sera le dernier de 2016. Et oui, le premier ayant été un épisode de Hating 9, mais je sais pas exactement combien, genre 9.24 peut-être, quelque chose comme ça. Dans cet épisode qui est le dernier de l'année 2016 pour Hating, il y aura le bilan de l'année à la fin. Donc d'habitude je le fais le 31, le truc c'est que là le 31 normalement c'est Random Scurs, et j'ai déjà tourné Random Scurs mais genre en novembre. Et à ce moment là j'ai pas pensé à faire un... Je me suis dit je ferai la vidéo de Hating, je retournerai la vidéo de Hating le 29 décembre, donc le jour où elle doit être faite, et je ferai le bilan de l'année à ce moment là, parce que j'avais pas envie de le faire trop tôt, il restait quand même plus d'un mois. Et donc c'est ce que je vais faire, mais j'ai été débile dans le sens où j'ai pas pensé que tout simplement je pouvais tourner les épisodes avant et puis tourner le jour même le bilan, et enfin ça aurait été beaucoup plus simple. Mais peu importe. Peu importe parce que ce sera donc l'épisode du bilan aujourd'hui. Donc après cet épisode, vous me verrez en train de faire le bilan de l'année 2016. Il ne restera que 2 jours à ce moment-là, parce que je tourne le début de cet épisode en décembre, enfin à un moment dans l'année, peu importe quand, mais bien avant le 29, enfin non pas avant bien avant le 29, mais avant le 29. Et non, je voulais pas te battre. Bon, et je ferai la partie bilan le 29. J'avais pensé à faire justement à faire la partie bilan et à rajouter à l'épisode de Random Scurs, mais il me semble que l'épisode de Random Scurs qui va sortir le 31 dure à peu près 50 minutes, donc j'avais pas envie d'encore plus l'allonger. Voilà, tout bête. Et donc j'espère qu'il se passera rien de spécial sur la chaîne le 30 et 31 décembre, parce que sinon ça voudrait dire que mon bilan de 2013 ce serait un peu déjà obsolète, et ce serait bête. Mais sur ce, si vous regardez Hating mais vous ne regardez pas Random Scurs, peut-être que c'est le cas pour vous. Si c'est le cas, levez la main dans les commentaires. Genre mettez un commentaire, je lève la main. Et si vous regardez Random Scurs et pas Hating, ne mettez rien parce que vous ne regardez pas cette vidéo. Et si vous regardez les deux, vous pouvez mettre un smiley dans les commentaires. Genre un smiley content. 2 points D majuscule. Alors, pour en venir au jeu en lui-même, vous avez peut-être remarqué que Antibus a évolué, peut-être. Tout le monde a été mis au niveau 30. Alors, Antibus a pris Bullrock à la place de Roulade, c'est mieux. Pearl a pris Ervenard, je pense qu'elle a des régénérations, je m'en foutais un peu. Darkos a évolué, il est maintenant un Charcos. Il a 102 d'attaque au niveau 31 encore, il a naturellement attaque. Il a le Grelocoque parce qu'il va faire des dégâts et il a appris Représailles, il me semble. Ou alors, non, il a voulu apprendre Assurance, mais j'ai préféré le faire Représailles, parce que Représailles, c'est mieux quand, quand il attaque après, et il a 52 vitesse, qui est beaucoup à ce stade-ci du jeu, mais pas beaucoup plus tard. Et alors que Assurance, il aurait fallu qu'il ait déjà subi des dégâts, donc non, ça... Il a toujours Éclat Rock, mais tant qu'on n'est pas à Ebenel, ben, il aura toujours Éclat Rock. Et c'est malin, parce que j'ai envie de chanter maintenant avec cette musique. Nate est magnifique, il a pris pouvoir antique que j'ai mis à la place de jet de pierre, parce que pouvoir antique c'est plus puissant, c'est plus précis et c'est spécial. Et Nate a plus d'attaque spéciale. Et aussi j'ai retrouvé pourquoi j'avais appelé Nate Nate, c'est parce que c'est un anagramme, enfin une anagramme, c'est féminin. C'est une anagramme de Etna, c'est un volcan. Voilà. Et Roar est toujours là, et il a toujours pas d'attaque vol, parce qu'en fait la seule attaque vol qu'il apprend par level up et qui est offensive c'est Cruel au niveau 1. Et quand je l'ai attrapé il était au niveau 9 ou 10. 10. Et c'était déjà trop tard, il aurait fallu que je baisse le niveau, enfin que je le rencontre à un niveau moindre. Et à ce moment-là, il aurait pu avoir Cruel, c'est-à-dire instable, et un truc qui aurait fait que l'arène qu'on va faire allait être un peu plus facile. Mais il a enfin pris un instable, c'est vrai, un stab roche. Pouvoir antique, ça va faire à peu près rien, parce qu'il a 41 d'attaque XP, mais on ne sait jamais. Et ceci est ses esclaves, j'avais oublié qu'il existait, et on s'en fout. Donc tout le monde au niveau 30, mais j'ai battu aucun dresseur sur la route, sur les chenaux 40 et 41, à part celle que vous avez vue.
parce que c'est chiant de s'entraîner contre des Pokémon et qui ont des dresseurs qui ont que des Pokémon haut presque, alors que vous avez bah, des trucs qui sont faibles face aux Pokémon haut à part Pearl. Donc ça a été très très lent. D'ailleurs, ça a été tellement lent que j'ai mis un multiplicateur d'expérience x2, voilà, que je vais retirer, qui a peut-être, bon, bah, qui a donné beaucoup d'expérience à Antibus, mais je viens d'y penser, c'est pas grave. Parce que j'ai dû m'entraîner pour la route 38 pour Nate et pour Antibus parce que les tentacules ça allait pas. Et c'était très lent, donc je leur ai mis 9 chances, mais après j'ai mis un multiplicateur d'expérience, donc c'était x3 et c'était encore lent. Donc Antibus a évolué en Gravalanche. Pour évoluer en Grolem, évidemment, dans le jeu normal, il faut l'échanger. Mais l'Universal Pokémon Randomizer est magnifique, retire les évolutions par échange, et ça veut dire que Antibus évoluera au niveau 37 en Grolem. Donc je vais attendre qu'il évolue au niveau 37. Si je veux, je peux le faire évoluer maintenant, hein, de 1, parce que j'ai Pokégen et que je peux le faire évoluer en Arceus si je veux. Et, enfin, je peux pas le faire évoluer en Arceus, mais je peux le transformer en Arceus. Et de 2 parce que j'ai une R4, donc je peux mettre ça sur ma R4 et puis l'échanger avec une vraie version. Et comme il sera dans, comme il arrivera par échange dans une vraie version, il évoluera à ce moment-là. Mais je le ferai pas parce que c'est énervant et parce que je vais essayer de rester cohérent dans la run en elle-même. Nous allons faire aujourd'hui la reine d'Irizia. J'ai l'impression qu'il a un peu du mal quand même, le truc, je sais pas pourquoi. Arène d'Irizia qui est de type combat. Voilà. Contre Chuck qui est ici et qui a et contre qui je vais probablement me faire défoncer. Je n'ai même pas regardé ses movesets, etc. Je vais juste espérer ne pas me faire déchirer. Darkos pourra peut-être aider. Darkos. Voilà. Et bien sûr, Roar aurait aidé s'il l'avait. Cruel, mais c'est pas grave parce qu'on va avoir vol après et donc il aura un stab vol et donc ce sera magnifique. Combien de dresseurs je dois battre pour accéder? Je pense que je dois juste battre un seul dresseur, je dois juste battre lui. Ouais, et après je reset l'arène. J'ai pas envie de battre des gens, j'ai envie de battre Chuck en fait. Et après je peux aller ramener la... Je peux aller ramener la potion secret à Jasmine pour que Amphi aille mieux. Et après, Baobab va m'appeler. Les routes 47-48 vont être ouvertes. Donc, je vais faire les routes 47-48. Et comme tout le monde est au niveau 30, c'est overleveled. Hein, totalement. Mais j'assume. Et c'est fait exprès. Et ça devrait pas être trop. Pas avoir trop de. Ça devrait pas me poser trop de problèmes pour les dresseurs normaux. Mais Chuck a quand même. C'est quand même 29-30 ou 29-31. C'est Pokémon. Donc, je suis au même niveau à peu près. Donc ce karatéka s'appelle Ryu, hein, ce qui n'est pas du tout un cliché, et je ne suis pas du tout en train de faire coup de boule de manière totalement débile, parce que Ampleur ferait sûrement plus de dégâts. Bon, Ampleur 4 fait pas plus de dégâts, mais et Ampleur 5 non plus, mais à partir d'Ampleur 6, oui. Mais ce qui est bien, c'est que Antibus outspeed des trucs, en fait. Que je ne pensais pas aller arriver. Je veux dire, Darkouf et outspeed des trucs, il y a quand même 50 de vitesse à peu près, ça va encore pour ce stade-ci du jeu. Mais Antibus qui outspeed des trucs, pourquoi pas. Technique de ninja. Bref. Voilà. Ouah. Tourner la vanne de toutes ses forces. C'est aussi quand quelqu'un essaie de faire une mauvaise blague et insiste, même si elle est très mauvaise. Bon, alors, il a un magnifique Ferro-Singe, Colo-Singe, et un magnifique Tartare. Oui, Tartare, vous voyez le truc qui est type O, ce qui veut dire que même Nate se fait défoncer par... Je vais mettre Darkus parce qu'il fait très mal et que je vais espérer leur faire très mal. Voilà. C'est à peu près l'idée. Je sais pas si j'ai des objets de soins, je sais rien du tout, mais je m'en fiche, j'y vais. D'ailleurs, est-ce que j'ai des baies au rang? Genre, j'ai pas de baies au rang, là. Et quand je vais dans mon plan de baies, j'ai pas de baies plantées. Donc, est-ce que j'ai utilisé mes baies au rang comme un con? Ce qui veut dire que je ne peux plus en planter et donc ne pas avoir de l'homme. Je ne sais pas, mais on dirait. Donc le flot impétueux qui se déverse sur son crâne s'est arrêté, bazar machin, enfin c'est Chuck, hein, il dit n'importe quoi. C'est...
Alors, je ne sais pas ce que vous entendez actuellement, mais il y a des cloches qui sonnent. Et la raison pour cela, c'est que on est le 24 décembre. Donc, la messe de Noël, je suppose que commence à ce moment-là. J'en sais rien, parce que je ne fais pas la messe de Noël. Mais coup de boule! Ah, voilà. Ce qui est bien avec... Enfin, ce qui est bien. Avec, le truc avec Colossinge, et je pense Tartar aussi, c'est qu'ils ont Mitra Point. Et que donc, ils vont avoir la bonne idée de spammer Mitra Point. Et par conséquent, de faire en sorte que la victoire soit assez facile. Mais par contre, Darkwolf, tu pouvais juste faire un high roll ou un coup critique, ou les deux, parce que ce serait bien que ce Colossinge tombe KO en deux coups. Bon, s'il continue à faire ça, ça va. Parce qu'en plus, il a éboulement, vous voyez, le Colossinge. Donc si jamais vous arrivez avec un Pokémon vol, ou avec un Limagma, par exemple, vous êtes déçu. Et le Tartar a Surf aussi. Enfin, donc c'est le truc est fait exprès pour mon équipe. Et évidemment, je ne peux pas changer de Pokémon parce que je suis en mode défini, que c'est la contrainte de cette run et que je l'oublie à chaque instant. Donc, Éclatrock c'est 40, Coup de Boule c'est 70, Sombroge c'est 50, Stabé 75 divisé par 2, 37,5, et Représailles c'est 50 x 2, 100 si j'attaque après. Divisé par 2, donc 50 si, puisqu'il résiste. Oh, donc autrement dit, faisons coup de boule. Et évidemment, il est plus rapide. Et donc, Darkwolf meurt dans d'atroces souffrances. Ah non. Mais bientôt, il va mourir dans d'atroces souffrances. Je veux dire, Tartar, ça a de la défense. Ça a rien comme stat, mais ça a de la défense. Ouais. S'il y a bien un truc que ça a de la défense. Pas de l'attaque, de la défense. Ah ah, Grelococ. Boum. 6 PV, t'as vu. J'aurais peut-être pu, c'est vrai, faire Éclatrock en espérant baisser sa défense. Alors oui, il peut faire aussi plaquage. C'est aussi une possibilité. Oui, d'accord. Je comprends à peu près l'IA, parce que l'IA se dit j'ai plus beaucoup de PV, je vais pas utiliser une autre attaque, et donc elle fait plaquage, mais c'est nul en fait. Mais d'accord. Genre, tu... En fait, je pense que Chuck... veut aussi être rentré dans le palmarès des pires IA du monde. Il a de la concurrence actuellement avec Random Scurse et avec Normand et Alizé, n'est-ce pas? Les deux épisodes sont sortis, hein, quand vous verrez ça, donc je peux le dire. Mais là, Darkwolf commence un peu à s'épuiser. Et je parie qu'il va faire surf maintenant. Voilà. Genre, le truc, il a 25 PV, plaquage. Le truc, il a 19 PV, plaquage. Le truc, il a 8 PV, surf! Là, c'est genre pour être... En fait, c'était pour être sûr de l'overkill jusqu'au bout. Et donc, c'est à ce moment-là que je mets Roar. Et que je fais... coup de boule. Et que je suis plus rapide. Et donc, je le flinch. Parce que c'est la vie. Flinch. Non, non. Alors, t'es censé flinch, en fait. Alors, évidemment... Pearl peut être magnifique. Bah oui. Utilisons Pearl. Elle n'est pas faible face à Surf. Et vous avez tout à fait raison. Sauf qu'elle est faible face à probablement Mitra Point. Et que je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ce Tartar a casse brique. Et donc je m'imagine qu'il va me taper, faire casse brique sur la tronche. Mais il a décidé de faire Mitra Point, donc c'est pas grave. Ok. Voilà. Merci Tartar. Merci Chuck pour l'IA. C'est bien. Même quand j'y vais en YOLO en mode totalement je vais me faire défoncer. L'IA arrive à faire en sorte que je ne me fasse pas défoncer. Je ne sais pas comment je dois le prendre, mais ça veut dire que maintenant c'est Pearl qui est derrière moi, et c'est quand même vachement beaucoup plus mignon qu'un Charcos, faut le dire. Et donc c'est bien. Parce qu'il n'y avait pas assez de trucs mignons dans cet épisode encore, donc maintenant qu'il y a Pearl, ça résout un peu le problème. Elle a l'air heureuse, c'est normal. On vient de gagner un nouveau badge, surtout le badge combat. Donc... Bon, après il va avoir le badge acier, c'est pas mieux. Mais Pearl, justement, va être indispensable parce que je vais pouvoir faire surf sur son Stylix. Stylix niveau 35. Bref. Roar va prendre vol, enfin. Et ça va nous permettre... Est-ce que je garde Hatt? Je garde très bien Hatt en fait. Mais le truc c'est que Morsure, c'est bien contre les psys en fait. Et les spectres.
Mais j'ai représailles en fait pour ça, pour eux. Et j'ai plus besoin de me combattre contre un ectoplasma. Et Hades, ça peut être assez utile, même si j'ai des objets plus, parce que Hades, c'est plus 2, et les objets plus sont seulement plus 1 ici, on n'est pas dans Soleil et Lune. Donc, et coup de boule, c'est plus puissant que morsure. Et pouvoir antique, c'est un. Non, en fait, pouvoir antique, c'est nul. Quand Roar apprendra un Stabrol, genre éboulement ou lame de roc, je verrai bien si je l'arrive à Hades ou autre chose, mais pour l'instant. Ah, et tiens, d'ailleurs, maintenant, est-ce que quelqu'un peut apprendre Vampipoing? Est-ce que Grolem ou Gravalanche peuvent apprendre Vampipoing? Évidemment, pas du tout. Et la ferme ici est là. Magnifique. Alors, l'autre jour. Non, je ne suis pas au DB. Hein. Bonsoir! Bonsoir. L'autre jour! Bref. J'ai vu un Pokédex fait par les fans, entre guillemets, sur TVTropes. Et ils essayaient justement d'expliquer, de faire un peu un guide, comme si c'était comme si c'était un guide dans le monde Pokémon, avec toute la biologie, la reproduction, la vie en société, etc. Des espèces de Pokémon, il y avait plein 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 d'articles sur plein d'espèces, il y avait aussi des trucs sur les villes, etc. J'ai pas lu beaucoup, mais j'en ai lu quelques-unes, parce qu'il y en avait, il y en avait sur... Sur Giratina. Et c'était marrant parce que il disait qu'en fait il y avait eu deux Giratina. Il y avait le Giratina de Platine, etc., qui a été tué par on ne sait pas qui, un type random. Et un deuxième Giratina qui a été donné par Cynthia dans l'œuf, entre guillemets, avec l'événement qu'il y a au Ruin Sinjo. Où normalement, dans ce jeu-ci, si vous amenez un Arceus qui a été rencontré par le hasard du destin, je sais pas comment on dit en vrai, mais c'est Fateful Encounter en anglais. Si vous amenez un Arceus là au Ruin d'Alpha, vous vous retrouvez au Ruin Sinjo, il y a Cynthia qui est là, et puis vous avez la cinématique super super bizarre avec des photos du vrai monde et tout ça. Enfin, et vous pouvez choisir entre Dialga, Palkia ou Giratina, tous niveau 1, et en fait on voit qu'ils explosent un œuf. Mais là, dans le truc, c'est Cynthia qui a eu l'œuf de Giratina. Et donc, il y a un Giratina qui a éclos, il y a un deuxième Giratina, et il bouffait tout en fait. Il bouffait plein. Quoi qu'on lui donnait, il bouffait, même les cuillères, des plats, des trucs ainsi. Ouais, Darkrai est content. Et donc, moi, j'imaginais juste un Giratina minuscule qui est en train de bouffer tout sur une table comme ça. Je sais pas, je trouvais ça marrant. Mais genre c'était un petit Giratina genre mignon quoi, pas un bête, mais je sais pas, je trouvais ça marrant de m'imaginer ça, et c'est dans ces moments-là que j'aurais voulu pouvoir bien dessiner quoi, parce que j'aurais pu dessiner un truc comme ça sur le téléphone. Donc voilà, le portail creuse la roche. Mais oui! Je viens de redécouvrir que je peux échanger les écrans si jamais j'en ai besoin. Donc la prochaine fois que j'ai un coup de téléphone, ben, j'échangerai les écrans, je suis bête. Bon. Est-ce que j'ai des objets de soins et des choses ainsi? Parce que je n'en ai pas utilisé, mais j'ai 7 super potions. Et 19 eaux fraîches. On va dire que c'est correct et que ça convient. Voilà. Donc, le parc Safari est ouvert et c'est une bonne chose. Parce que le parc Safari, c'est là qu'il y a des Umbrylex, mais seulement après la ligue. Et un Umbrylex, c'est ce que je veux pour le sixième membre de mon équipe. Donc, ce qui va probablement se passer, c'est que... je vais avoir une équipe de 5 jusqu'à la fin de la ligue. Et puis, quand la ligue sera finie, j'irai acheter. Bien sûr, acheter. J'irai attraper un Umbrylex, justement. Et ce sera le dernier membre de mon équipe. Et je l'entraînerai jusqu'au niveau très loin. Et comme ça sera niveau 1 en Infect. Et puis il sera en Tyranocyte assez vite. Et on ne devra pas se taper un Infect trop longtemps. Bon, moi je mets Pearl devant en disant il va me sortir des racailloux, des choses ainsi. Je vais pouvoir faire ça. Non, un seul lourdeau, d'accord. Mais bienvenue à Johto. Où après le cinquième badge, on vous sort encore des Pokémon niveau 19 pour les dresseurs. Et comme je me suis overleveled un peu comme un malade, ben
Ça va aller très vite. Un seul lourdeau, d'accord. C'est Kaorix le type ou quoi? Enfin, je veux dire, un seul lourdeau, c'est cool, mais non, en fait. Un, c'est suffisant. Pas besoin de deux. Un seul, ça va très bien. C'est assez de même avec un, quoi. Mais trois en seul lourdeau, bon. Faudrait penser à quand même de mettre des trucs qui peuvent combattre dans l'équipe, quoi. Parce que se concentrer sur un seul lourdeau pour le monter de niveau un peu plus que les autres et faire qu'il bat tout le monde, là, c'est possible, hein, ça s'appelle une seule run, quoi, mais trois seul lourdeau, c'est une tâche difficile, donc je souhaite bonne chance à ce montagnard s'il veut faire ça, mais en fait, c'est cool de faire du camping, si tu trouves peut-être ça cool de faire du camping, c'est ça que j'aurais dû dire, parce que moi, je trouve ça totalement con, enfin, c'est pas que je trouve ça totalement con, c'est juste que j'aime pas. Mais je serais quand même pas à l'aise de faire du camping sur une falaise. La falaise a pas l'air très grande, donc ça ne me plaît pas, franchement. Je vais switcher sur Nate parce que pour une fois qu'il peut probablement faire des dégâts corrects à quelque chose, ce sera magnifique. Hein. Au niveau 29, il commençait à OHKO des Rattata niveau 16. Donc, ça va. Flamèche et pouvoir antique sont tous les deux super efficaces. Flamèche fait normalement autant de dégâts pouvoir antique parce que c'est stabé. Et que donc c'est 40 qui devient 60 et c'est super efficace. Et pouvoir antique, c'est juste 60, pas stabé et c'est super efficace. Donc, ça revient en même. Oui, donc Floravol, évidemment, a multi-coup comme capacité spéciale, tout le monde le sait. C'est beau. Touché 5 fois. Mais merci beaucoup Floravol. Tu as bien contribué à allonger artificiellement la longueur de cet épisode. Parce que... Je suppose que tu aimes ça. J'ai un problème avec allonger la longueur. J'ai l'impression que c'est un peu très... C'est très bancal comme proposition. Enfin, comme tournure de phrase, j'ai l'impression. Allonger cette vidéo, en fait, aurait été suffisant. Ou augmenter la longueur, c'est ça. Mais pas allonger une longueur. Une longueur, c'est un nombre. Donc, on peut pas allonger un nombre. On peut l'augmenter, le diminuer. Mais voilà, c'est ça. C'est ça. C'est comme dire que les températures sont chaudes. Non, les températures sont pas chaudes. Une température, c'est un nombre. Un nombre, ça peut pas être chaud. Par contre, les températures peuvent être élevées. Ou le climat peut être chaud, entre guillemets. Un rappel peut être utile, hein. Encore heureux que ce n'est pas un Nuzlocke. Alors oui, les bugs de DS Mume aussi. Et alors, alors, vous voyez, ici, il y a zéro rocher d'éclatroc. Eh bien, il y en a après avoir fini le jeu. Et c'est là que vous pouvez notamment trouver les fossiles griffes. Non, racines dans Soul Silver et griffes dans Rapple. Voilà. C'était l'information que je dis parce que je l'ai découverte il y a 3 jours en voulant... Non, pas... Il y a 3 jours? Ouais, je pense que c'était le 21. En voulant compléter mon dex national, entre guillemets. Enfin, pas vraiment compléter mon dex national, mais n'importe. Voilà, j'ai découvert ça, en fait. Hein, Donc, nous avons Serge et Dom, ici, qui sont des dresseurs qu'il faut absolument éviter quand vous faites un Nuzlocke. Parce qu'ils ont un Electek et un Magmar niveau 25. Le Electek a tonnerre, le Magmar a... Lance-flamme, voilà. Vous êtes prévenus. Mais ici, je l'ai fait parce que Electek et Magmar ont la bonne idée d'être tous les deux faibles face au type sol et que j'ai un magnifique Pokémon BT. Et donc, moi, je me casse pour ne pas me prendre de tonnerre dans la tronche. Salaud! Bon, c'est pas grave parce que j'attaque le Magmar, mais au second tour. Donc, il va sûrement pas faire abri. Et Electek n'a pas fait abri puisque sinon, on l'aurait vu avant. Roar évite l'attaque parce qu'il vole. Ampleur 9, c'est bien. Voilà. Au revoir. Magmar se protège, évidemment.
Bon, ça va, c'est en vrai, si Magmar me fait pas vraiment peur, c'est plus Electek parce que j'avais peur du tonnerre sur Roar, mais là ça va. Et plus la Vigigriffe s'active, encore c'est mieux. Roar, il a rien foutu, il a juste décollé, il a regardé dans l'eau. Ah, ça va, tu te débrouilles bien, bon, je reste là. Un peu comme Peter au repère Rocket avec son Dracolosse, hein. Il fait vol genre pour dire de laisser au personnage la joie entre guillemets de défoncer du sbire Rocket. Alors, on va avoir un autre combat duo après, un combat duo qui est assez célèbre, hein. Au contraire, la ralentiqueue qui est un objet que peu de monde connaît parce que tout le monde s'en fout et que la seule fois que j'ai vu une ralentiqueue être utilisée, c'était sur un Léopardus, c'était dans un hack. Et oui, c'était dans Voltwhite 1 ou 2, je sais plus lequel. Je pense que c'était le 2. Voltwhite 2. Et c'était magnifique et j'adore ce combo en fait. Et je suis en train de réfléchir quel Pokémon je vais mettre pour. Ça peut être dangereux, mais je veux pas rester avec Antibus et Héroard. Donc, ces personnes ont un duo de Pokémon magnifique et qui ne peut pas être évidemment par inadvertance. Vous allez voir, si vous ne les connaissez pas, vous allez. Il faut que vous ayez essayez d'avoir un esprit bien tordu et vous allez trouver très vite. Très vite. Je disais donc, le combo que j'adore, c'est Léopardus avec Assistance. Je dis juste ces deux mâles, hein. Je dis juste ça. Hein. Tempête sable. Ah non, pourquoi? Je me pends. Ampleur 9. Oui, en deuxième ampleur 9, j'aime bien, j'approuve. Non! Le Crustabré, ça a une forte défense, mais c'est normal qu'il soit. Bon, je vais y arriver à mon combo, hein, c'est juste pour. C'est un Léopardus qui a Farceur comme capacité spéciale, qui tient la ralentiqueue. Et il va se faire défoncer par la tempête de sable en fait. Ah non, dommage. Et il a juste assistance, juste cette attaque. Et tous les autres Pokémon de l'équipe ont une attaque en deux coups, donc vol, plongée, tunnel. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre? Mais une attaque comme ça où elle est en deux tours et le lanceur est presque insensible pendant la deuxième phase. Et donc, le Léopardus, il fait quoi? Il fait assistance. Mais assistant, c'est un attaque de statut. Donc Farceur s'active et donne une priorité à assistance. Donc si l'adversaire fait une attaque à priorité normale, ce qui a beaucoup de chances d'arriver, ben le Léopardus, il va directement utiliser assistance et donc utiliser une attaque en deux tours et s'envoler ou se mettre sous terre, etc. Et par conséquent, être invincible. Là, puisque l'adversaire à ce tour-là, il va attaquer après, mais il ne pourra pas toucher à moins d'avoir un Null Guard ou d'avoir des choses qui touchent pendant vol ou tunnel. Mais il y a peu de chances que ça arrive si on considère toutes les possibilités. Et juste après, le tour d'après, où normalement l'attaque se. Continue, l'attaque a vraiment lieu. Ben, faut pas oublier que le Léopardus tient la ralentiqueue. Donc, il va toujours dans une. Si les deux attaques du tour ont la même priorité, il va toujours attaquer après. Donc, comme si toutes les attaques comme ça en deux tours sont des attaques à priorité normale et que l'adversaire va probablement faire une attaque à priorité normale, le Léopardus va attaquer en dernier à chaque fois. Mais comme il est invincible. Puisqu'il est dans le tour de semi-invulnérabilité, et ben l'adversaire va attaquer avant, donc dans le vide, et puis
le léopard du zoo pour attaquer. Et donc, sans aucune capacité de priorité, ou de choses qui peuvent... de capacités spéciales, genre qui brûlent ou des choses ainsi, ben, le léopard du zoo, il est imbattable. Et je trouve ça chouette. Rebond aussi. Je suis en train d'essayer de penser à toutes les attaques comme ça, mais rebond, ça marche. Ici, pour reparler du jeu, hein, qui pour l'instant n'a pas été les plus intéressants, on va pouvoir payer pour obtenir être propriétaire du safari. Il va falloir attraper un racaillou. Et après, 3 heures plus tard, 3 heures de jeu hein, plus tard, Baoba va rappeler pour pouvoir acheter un sablette et on aura le parc rien qu'à nous. Et ce sera magnifique, mais il faudra encore payer. Voilà. Parce qu'en fait, je pense que Baoba veut juste genre éviter le fisc ou un truc ainsi. Donc, il fait semblant que le parc est à quelqu'un d'autre. Mais en fait, ça n'est pas le cas. Mais on va lui attraper son racaillou quand même. Si le racaillou veut bien venir. Surveille attentivement, donc tu rentres. C'est la méthode, je pense, avec la probabilité la plus sûre, c'est juste de balancer les balles jusqu'à ce qu'il soit attrapé. Voilà. Et en plus, c'est un Pokémon de type proche, donc racaillou. Donc, c'est bien. Je suis toujours dans le thème de la run. Oui. Voilà, je l'appelle Baoba parce que j'ai pas d'inspiration. Et j'avais justement, comme par hasard, une place libre dans mon équipe. Étonnant. Oui, je veux vraiment arrêter, je voulais juste un racaillou. Mais je veux dire, si je suis le propriétaire du parc, est-ce que c'est moi qui paye les employés aussi? Ouais. Donc, faut attendre 3 heures maintenant. Donc, si vous finissez le jeu en moins de 3 heures, bah, il vous appellera... tard. Et maintenant que ce racaillou a été utilisé, il peut ne jamais revenir. Par contre, Ratata, il peut. Ouais. Non, d'accord, en fait, c'est pas... oui, non. J'aimerais garder mon Pokémon dans mon truc, s'il vous plaît. Bref, je vais donc arrêter là l'épisode, mais pas vraiment. Ah, attention. Donc, comme je l'ai dit, il va avoir le bilan. Il va avoir le bilan de l'année. Voilà. Donc, l'épisode en lui-même est fini. Donc, si vous n'avez rien à faire de ce que je vais dire après de l'année, de ce qui s'est passé sur la chaîne, l'année en cours, etc., ce qui serait totalement compréhensible, vous pouvez y aller. Il va plus se passer grand-chose d'intéressant. Je vais juste rester dans le centre Pokémon et parler. Et comme je filme ça en avance, eh bien, moi, je vais arrêter la vidéo ici et je mettrai le truc que j'ai tourné... Le 29 décembre et comme ça me permettra de tourner éventuellement plus d'épisodes en avance. Sur ce, nous allons passer au bilan de l'année 2016. Surprise, nous sommes le 31 décembre, j'ai des problèmes de son dégueulasse et ça m'énerve, mais ce n'est pas la question. Et oui, j'ai fini à verser l'épisode d'IT avec l'épisode de Rhapsody du 31, ce qui veut dire que je trouve ça vraiment le 31. Il reste à peu près 10h15 à l'année 2016 quand je tourne ça. Et c'est donc, comme je l'ai dit, l'heure de faire le bilan. Et si ça se trouve, le son va être dégueulasse, mais je n'ai trouvé aucun moyen de le changer, ça m'énerve. Donc, allons-y. L'année 2016, si on prend de manière générale, beaucoup de gens la considèrent comme une année de merde. En règle générale, avec des morts d'artistes, etc. Et je pense que, évidemment, il y a des artistes qui meurent tous les ans, mais ce qui a fait que les gens s'en souviennent beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup au début et beaucoup à la fin. Je dirais, en 3 jours, dans les derniers jours de décembre, on s'est tapé genre Fisher et Reynolds, ça a un peu marqué tout le monde, et puis, côté francophone, truc au début de l'année, avec Michel Delpech, Michel Gallop. Et puis David Bowie, ça c'est... Enfin bref, peu importe. Donc l'année 2016 est considérée comme beaucoup comme une merde. Et en termes de jeux Pokémon, bah, c'était une année de merde jusqu'au 18 novembre, puisqu'il s'était rien passé. Donc
Mais on a eu Soleil et Lune, qui est venu quand même rehausser le truc, puisque c'est des versions sensationnelles. Et c'est bien parce que ça veut dire qu'on va peut-être avoir 2010, un truc en 2017 bien, on aura la course des prochains jeux qui sortiront sûrement en 2018, avec le décalage à chaque fois, et qui, s'ils ne sont pas des Diamant et Perle, va avoir une révolution pire que quand les designers de Hearthstone ont des points de qualification. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est pas grave, mais dites-vous que c'est une très grosse révolution. En termes de la chaîne, ben cette année a été un peu bizarre parce que déjà elle a commencé avec 4 mois de strike, donc tout était mis sur la chaîne Salle Sulpice où il y avait 25 abonnés un maximum. Donc, je suppose que la plupart des gens n'ont pas vu ce qui s'est passé là-bas. On a eu et la fin des Team 9 et Random Source 3 et Team 10. Donc Sino. Random Source 3 était magnifique, j'ai adoré cette run. J'ai adoré faire cette run. Et Team 10, c'est là où les ennuis ont commencé parce que c'était chiant d'avoir un Melocric et un freaking Papinox dans le jeu. Mais je dois avouer que Papilord et Chenizel ont vachement rattrapé le coup. Et puis on a eu la fin du strike, on a eu 18-11, et puis on a eu 18-11, l'effondrement total de la porte. Faut savoir que moi en début 2016, c'était la fin de 2015, début 2016, c'est la période où j'étais moins bien, genre, vraiment. Et j'espère vraiment que ce ne sont pas. Et c'était assez horrible dans le sens où c'était aussi la période où j'étais moins bien, si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, c'était avec, voilà, avec la chaîne, etc. C'était très bizarre, c'était un mélange d'émotions très bizarre. Et l'année 2016 pourrait être résumée comme l'année de l'essai, l'année de l'expérimentation. Pas toujours fructueux, parfois si, mais c'est cette année où j'ai commencé à faire plein de trucs différents parce que je commençais un peu à me lasser de 18 et 30, tu vois. Zach, si tu entends ça, tu étais un devin. Tu as deviné avant tout le monde. Mais c'est... Voilà, donc j'ai commencé à faire plein de choses différentes. Il y a eu Fratricide d'abord qui a plus ou moins bien marché, mais bon, faire une série infinie et régulière avec Max, c'est impossible. Donc, Fratricide, c'est fini. Si vous aimez la série, regardez les 17 épisodes qu'il y a, mais n'espérez même plus. Surtout que je perds tout le temps, et que si je perds pas tout le temps, ça veut dire que c'est Max qui perd tout le temps, et donc il apprend à tourner. Parce qu'il est comme ça. On a eu Hebdown, qui est probablement la plus grosse révélation de la chaîne entre guillemets, cette année, parce que Hebdown, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que je pensais. En tout cas, de ce que je peux voir en termes de j'aime et de... surtout de... et même de commentaires parfois, hein, il y avait pas mal de commentaires sur le premier épisode d'Hebdown, etc. Donc ça, c'était une très très chouette expérience. Hebdown, et j'ai envie de faire une saison 2, mais je vais vous avouer que j'ai pas envie de la refaire, de refaire exactement le même principe avec exactement les mêmes. Donc Jagger reste, c'est sûr, hein. Je vais pas perdre Jagger, il est interdit qu'on perde Jagger, il est là avec moi depuis le début, dans Hebdown, et il le restera. Par contre, est-ce que Max sera là, est-ce que Daemon sera là, est-ce que Wood sera là? Daemon sera pas là parce qu'il a décidé après la saison 1 de pas venir. Une saison 2 va peut-être être... tourner, hein. Il faudra voir si on choisit de prendre des gens parmi vous par exemple, ou si on fait encore à 4 ou voire plus, qu'est-ce qu'on fait comme règle, mais ce sera pas tout de suite parce que il faut déjà que je me renseigne un peu sur la stratégie 7G, j'ai pas envie d'arriver là en mode total. Hebdown, ça prend du temps à tourner, il faut ça prend du temps à s'arranger quand il y a 4 personnes qui doivent tourner en même temps. Mais Hebdown saison 2, ce serait en 2017, ce serait cool que ça arrive. Je ne sais pas si ça va arriver, mais c'est une chose que j'espère en 2017. Et 2017, je veux que ce soit un peu l'année du retour, et non, je ne suis pas Bruno Le Maire, mais plutôt pas vraiment l'année du retour, mais plutôt l'année de la renaissance. Donc, un peu ce qui s'est passé ici dans ce mois de décembre, où il y a eu une vidéo par jour, comme je l'avais dit, tout le temps, à part le dimanche, mais ça c'est prévu. Et je vais continuer cet horaire durant 2017, et j'espère qu'il pourra devenir bien. Ratchet & Clank, c'est probablement que personne regarde parce que personne qui regarde,
Mais je continue quand même parce que j'ai commencé. Et puis il y aura des trucs qui vont remplacer. Il y aura Super Mario Galaxy 2 après Ratchet Clank 1, probablement. 18 Random Scurs continue. Random Scurs devrait être fini en 2017. Parce que Random Scurs 4 arrive à sa fin. J'ai déjà presque j'ai tourné presque tous les épisodes en réalité. Il ne me reste plus que la ligue à faire. Random Scurs 5 et l'épreuve finale de Random Scurs, c'est juste deux runs. Deux runs qui prennent du temps, mais deux runs qui seront en parallèle, qui sont tout le temps là au lieu de devoir attendre pour avoir 18. Donc normalement, Random Scurs se finira en 2017. 18 se finira pas en 2017, c'est pas possible, il reste encore 18, 12 et une autre run qui seront Argol ou Silver qui sont super longues. Mais je pense qu'arriver à 18, 15 en décembre. Ce serait bien. 18, 15 ou 16 serait bien. Et donc la fin des 18 en 2018, ce serait quand même beau, je dois avouer, si la fin des 18 c'est en 2018, avouez-le. J'ai envie que 2017 soit perçu comme une meilleure année que 2016. Et la seule chose que je peux faire, c'est que ma chaîne soit un peu plus vivante et arrête de faire des pauses de 24 ans entre les séries, comme il y a eu avec 18, 12 ici. Donc actuellement l'horaire j'ai eu aucun retour négatif, j'ai eu presque aucun retour positif non plus, mais j'ai eu aucun retour négatif, donc je vais prendre cette idée et me dire que mon horaire est cool pour essayer de le continuer. J'espère que je vais pouvoir régler ces problèmes de son à la con, parce que là absolument tout, mon casque, mon PC, tout a l'air de déconner. Il va falloir que j'achète un nouveau PC un an que ce qui était prêt et ça m'énerve. Mais c'est pas grave. Donc en 2017, ce que je vais essayer de faire, ce sera plus d'inventer des nouvelles choses, mais plutôt de continuer dans ce qui a déjà été fait, continuer Random Scurs, continuer 18, éventuellement Hebdown, Fratricide ne reviendra pas. Celle Subparty, en 2017, il le faut. Franchement, il doit avoir un truc de celle Subparty en 2017, c'est obligatoire. En un an, on a le temps d'organiser ça, toujours avec Demon Jagger, évidemment. Et j'ai déjà prévu plusieurs épreuves différentes. Il y a l'éliminateur, il y a le passif, bref, peu importe. Donc ça, ce sera cool. Donc si vous avez aimé la première partie de Salsu Party, en espérant que vous aimez la deuxième, je suis en train de réfléchir, mais je pense que c'est tout. Le Soloraton va reprendre. Je vais essayer de faire toutes les vidéos dimanche en fait, sur le Soloraton. Ça, on verra quand le Soloraton 2 sera fini. Il n'y aura probablement plus de boss rules sur ma chaîne. J'hésite, peut-être qu'il y aura un Soloraton 3, mais ça m'étonnerait, à moins que vous le vouliez vraiment. Mais voilà, en tout cas, comme j'ai dit, Random Scurs va se finir, mais Random Scurs aura une suite, évidemment. Hein, elle est déjà dans ma tête, elle est déjà prévue, je sais déjà ce que je vais faire. Et il y a aussi les lives. Alors, pour les lives, je n'ai plus fait depuis un moment, parce qu'en fait, ça m'énervait, j'étais lassé des lives, et là, j'ai commencé à en avoir envie d'en faire. Le problème, c'est que j'ai absolument aucune idée de quoi. Donc, si vous avez une idée qui m'écoutez ici, n'hésitez pas à le mettre. Voilà, c'est une sorte de question du jour. C'est une grosse question du jour avec plein de questions différentes, avec plein de sous-questions. Et TG le téléphone. J'ai dit TG. Pour me protéger. Voilà. Comme autre question, j'aimerais bien savoir quel a été votre moment préféré de 2016 sur la chaîne. Donc, voilà, est-ce que vous avez une run préférée, une vidéo préférée en particulier ou un épisode? Est-ce que c'est une série en entier? Voilà, n'hésite pas. Ah oui, en ce qui concerne Versus, donc Versus devrait reprendre. Je ne sais pas quand, il devrait reprendre début 2017 quand Jagger va sur un nouveau PC et probablement quand moi j'aurai un nouveau PC parce que finalement je veux un nouveau PC. Donc Versus devrait reprendre avec Jagger, Versus avec qui est sur sa chaîne et Versus avec Demon sur celle-ci, n'espérez même plus. Sajuma. Voilà, mais on ne sait jamais. Voilà, ce serait un peu les surprises de 2017 si Versus et Sejuma viennent. Mais il faut pas vous accrocher à ça. En tout cas, maintenant que tout ça est dit, j'espère que si vous regardez celle 31, que vous allez passer un bon réveillon. Déjà, d'ailleurs, on dit réveillon de la Saint-Sylvestre parce que la Saint-Sylvestre 31 décembre, mais on dit réveillon de Noël alors qu'on le fête le 24.
Donc c'est les deux expressions sont correctes, mais elle signifie, enfin elle parle d'autre chose. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, parce que c'est un réveillon qui est fait de la Saint-Sylvestre. Et le réveillon de Noël, c'est parce que c'est la veille de Noël. Mais donc ça veut dire que moi j'ai toujours cru que la Saint-Sylvestre c'était le 1er janvier. Et comme quoi, même à 20 ans, on peut toujours apprendre. Mais comme disait Laurie, à 20 ans, rien n'est impossible. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et éventuellement la plupart cette chaîne de toujours suite d'œuvre cette chaîne en 2017. Merci d'être abonné, de commenter ou d'aimer tout en même temps. J'espère que vous resterez en 2017 et j'espère que je pourrai faire des choses assez bonnes pour que vous restiez. Évidemment, ça ne dépend que de moi, enfin que de moi, presque que de moi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt pour l'épisode 12.12 de 18, mais surtout pour l'année 2017. Au revoir!